Et re-coucou tout le monde, c'est Chagar et on se retrouve pour la suite de StarCraft 2 Wings of Liberty. Et on commence par faire le tour, c'est parti. Qu'est-ce que vous pensez du Dr. Hanson ? Une jolie poupée, tout en sucre et en miel. En tout cas, c'est ce qu'elle voudrait faire croire. Vous croyez qu'elle a quelque chose à cacher ? Vous vous êtes pas demandé pourquoi les Ergs ont frappé son monde si vite ? Ils cherchaient quelque chose là-bas. Du miel, peut-être. Pour toutes ces petites abeilles. Très intéressant tout ça. Alors on va au laboratoire. Non, personne n'a rien à me dire. Ok. Non, qu'est-ce que je fais? On a trouvé un monde pour accueillir votre colonie? Oui, une planète non revendiquée appelée Havre. Elle est à la limite de l'espace Protoss, mais elle semble suffisamment sûre. Ça devra faire l'affaire. Vos gars ont besoin de se faire un peu oublier. Et le fait que ces colons puissent être infectés ne vous inquiète ni l'un ni l'autre? Comment pouvez-vous suggérer une chose pareille? Ils sont parfaitement sains. Je l'espère, Ariel. Les Protoss ne plaisantent pas avec la contamination. Vous devriez peut-être commencer à chercher un remède au virus Zerg, au cas où. Selon l'opinion établie, le virus mute trop rapidement pour permettre un traitement. Mais je vais me pencher sur la question. Faites ce que vous pouvez. On vous en demande pas plus. C'est déjà pas mal. Mais bon, en fait, on va commencer par l'armurerie, avant de finir par la passerelle. Je pensais pas remettre un jour les pieds sur Meinhof. On s'est ruiné le dos à essayer de gagner notre croûte sur ce caillou. Et on se faisait tondre par les Kelmorians. Le jour où on s'est révolté, c'est qu'on était vraiment à bout, tu vois. Ouais, je sais. C'est important de se faire entendre de temps en temps. Ah bordel, on était trop cons. Une cause juste, ça pèse pas lourd face à des fusigos et des marcheurs de combat. Tellement de morts pour rien. Si t'avais pas débarqué au bon moment. Hey, vous avez quand même gagné votre liberté, même si elle vous a coûté cher. Matt et moi, on a juste donné un coup de pouce. Intéressant, il faudrait qu'on voit ça dans StarCraft 1, si ça y est. Bon, regarde ce véhicule. Alors. Ah! Ça peut être intéressant si on peut éviter quelques dommages collatéraux. Quoique. Un minier contre les armures légères, ouais. Infanterie. Alors, ça peut être intéressant, ça coûte pas cher. Ça peut être très bien. Pour le moment, on va garder le reste du fric, on sait jamais. Allez, let's go sur la passerelle. Je travaille sur un remède au virus Zerg, mais j'espère que mes concitoyens n'en auront pas besoin. Kerrigan a de nouveaux tours dans son sac. Cette contamination sur Meinhof avait l'air particulièrement virulente. J'ai du mal à imaginer pire. Perdre sa propre identité en se faisant transformer en une saloperie de monstre. S'il y avait des infectés dans le groupe du Dr. Hanson sur Havre... Je sais, les Protoss finiront tôt ou tard par se mettre à leur recherche. Mais j'ai pas mal bourlingué avec les Protoss. Si on en arrive là, je pourrais peut-être les dissuader. Comme c'est mignon la naïveté. Bon, alors... pour la mission de Neo Folsom... Oui, parce que je vais avoir un choix à faire et je me rappelle plus duquel j'avais prévu de prendre. Donc, et honnêtement, j'ai pas l'impression que ce choix ait un effet quelconque sur la suite du jeu. Donc, normalement, j'ai pris une sauvegarde juste avant cette mission. Donc, je la referai peut-être, mais en attendant, moi, je sais lequel des deux choix je préfère. Neo Folsom est prête pour la moisson, Man. Toutes les voix qui se sont élevées contre Mengsk sont fermées entre ses murs. Nous allons libérer tous ces prisonniers, et il ne s'en relèvera pas. Dites-moi juste quand vous serez prêt à donner le départ. Voilà, moi pour ma part, je vais prendre la voix de Tosh. Si jamais vous voulez voir la voix de... Je sais plus comment elle s'appelle, de l'autre là, de... Ah, c'est tout de mémoire. Bref, de l'autre possibilité. Et en fait, le mot savoir, mais de toute façon, je pense que je la ferai, que je la posterai. C'est parti.
Où est Tosh? Je pensais qu'il serait déjà ici. Il a déjà quitté le vaisseau. Je croyais que vous... Commandant, nous recevons une transmission à haut niveau de cryptage. Passez-la moi. Enfin, le tristement célèbre Jim Raynor. Mon nom est Nova, nous avons à parler. Et qu'est-ce qu'un fantôme de Mensk peut bien avoir à me dire? Tosh vous ment. Matt, passe-moi Tosh. Je suis sûr qu'il écoute de toute façon, avec ou sans cryptage. Nous, les spectres, nous sommes l'avenir. Dommage que t'aies pas su t'y faire, petite fille. Tous les fantômes qui sont devenus des spectres ont été pris de folie meurtrière. Ceux que j'ai capturés sont détenus à Neofolsom. Ne l'écoutez pas, mon frère. Aidez-moi à libérer les spectres de Neofolsom, et nous abattrons Mensk ensemble. Tosh veut réactiver ses collègues spectres avec les substances que vous l'avez aidé à récupérer. La prison de Neofolsom est pleine de tueurs psychopathes. Vous voulez vraiment les lâcher sur la galaxie? Je vous aiderai contre Mensk, et mes hommes aussi. Elle ne sera jamais des vôtres. C'est un psychopathe, une bombe à retardement. Il restera avec vous jusqu'au jour où il vous plantera un couteau dans le dos. C'est le moment de vérité. Décidez-vous. Alors bref, moi mon choix personnel c'est d'aider Tosh parce que je trouve la fin beaucoup... Enfin... La fin de cette mission beaucoup plus classe quand on prend Tosh. En plus, après, en fait, je n'ai pas activé la dernière mission du docteur parce qu'en la gardant à bord de votre vaisseau et en l'interrogeant sur ce qu'a dit Nova, c'est-à-dire sur le fait que les substances qu'on a récupérées, c'est pour faire d'eux des tueurs psychopathes, on va se rendre compte qu'en fait, bah, c'est pas vraiment vrai, en fait. Elle nous a un peu menti, la petite garce. Au col, et en plus, fantôme de Manx, moi... J'y fais pas confiance. Et en plus, pourtant que je sache, Tosh n'a jamais essayé de me planter un couteau dans le dos. Donc on va prendre Tosh, mais je ferai aussi la mission avec Nova, probablement dans une autre vidéo. C'est parti. Tu aurais dû me dire ce que tu préparais, Tosh. Mais ta parole vaudra toujours mieux que celle d'un assassin du Dominion. Bien dit. Après être allé aussi loin, autant continuer jusqu'au bout. Vous n'avez pas fait le bon choix, monsieur Raynor. Je savais que je pouvais compter sur vous, mon frère. Allons forcer les portes de ce pénitencier. J'envoie les données de Neofolsom. Régalez-vous, mon frère. Ils se sont bien cadenassés. Nova a dû les prévenir. C'est une véritable armée qu'il va nous falloir pour pénétrer là-dedans, maintenant. Une armée entière ne pourrait pas vous faire entrer là-dedans. Mais un seul homme, un spectre au bon endroit... peut trouver un moyen. Alors, notre progression dépend totalement de vous, Tosh. Je vais pousser mes gars tant que je peux, mais on va avoir besoin de votre aide pour gagner du terrain. Bien sûr. Restez en arrière cette fois-ci. Je pars dégager la route. Contentez-vous d'envoyer des troupes pour maintenir la pression, et je m'occupe du reste. Il y a deux quartiers de détention occupés par des prisonniers militaires, en dehors de l'enceinte principale. Si on arrive à les ouvrir, on pourra sûrement compter sur l'aide des détenus. Et quoi d'autre? Il y a une base du Dominion juste à côté de l'entrée principale de la prison. Détruisez-la et les gardes battront en retraite. Les prisonniers vont pouvoir se charger du reste. Très bien, Tosh. Vous êtes prêts? Ça fait longtemps que j'attends ça. Je suis prêt. Ah, la grande évasion, comme ce titre sonne doux à mon oreille. Ah, vous allez voir, Tosh, c'est Terminator... Terminator, qu'est-ce que je dis, Tosh? C'est Alien Puissance 10. Pas Alien Punaise, Predator, mais c'est pas vrai. Oh, faut vraiment que j'aille dormir, moi. Ben... Très bien, temps de chargement un petit peu long, je crois. Ah, ça bouge enfin. Bon. Bah, je suppose que j'ai le temps de... Ah bah non, tiens, j'ai pas le temps. C'est parti. Allons-y. C'est parti. Mauvais karma est en route.
reste dans un beau... Cette meilleure. Avec mon camouflage, je peux descendre tous ces gardes. Oula, la base de Reiner. Ils ne me verront même pas. Oula, la base de Reiner, il va nous prendre des troupes régulièrement. Je peux utiliser une explosion d'énergie psychique pour dégager un groupe de Marines. J'appelle ça l'éruption mentale. Pour saigner l'enfant. L'âme qui s'éteint. Peut-être oui, peut-être non. Et voilà. C'est ce qu'on va. Cette tourelle de l'autre côté du pont. Elle peut me repérer et me signaler à ses alliés si je m'approche, malgré mon camouflage. Ils vont saigner l'arme. Une flamme qui s'éteint. Le mauvais karma est en route. Et voilà. C'est ce qu'on va voir. Ouais. Ah ouais, là, s'il y a un char. C'est quoi ce jeu ? Bouclier, gna gna gna. J'y vais sans un. C'est parti. Mauvais karma est en route. Et voilà. C'est comme ça qu'on fait des chocs à pic. Tenez bon, Tosh. Mes gars se mettent en place pour vous couvrir. Rappelez-vous, continuez à envoyer des troupes. Et je ferai la... Non. Tout juste. Allez, par là, Tosh. Sur les hauteurs. Je fais ce que je veux. Bon, même si on m'expliquera comment est-ce qu'un fusion peut péter un bunker, mais bon... Enfin, faut pas courir après la logique. Ah, pas assez nombreux, ils vont juste se faire attaquer. Faut pas la peine. Retrait. J'y vais sans un mot. Médic, soigne-moi. On est en retraite. On attend la prochaine vague pour me couvrir. Et voilà, deuxième barrage passé. Il faut être au petit tour. On a envie de donner un coup de main. Je vais avoir d'énergie à cette fois-là. Ils vont saigner l'enfant. Ils vont saigner l'enfant. Je vais un tout plus avoir d'énergie si je continue comme ça. Le bâtiment, on avance. Peut-être oui. Ah, du fantôme de mes deux, pour qui tu t'es pris? Pourquoi ne suis-je plus invisible? Ah, c'est bon, qui est de retour. Beau travail, Tosh. On avance vers la ligne de front. Bon, voilà, aujourd'hui, moi j'ai plus d'énergie, hein. Démerdez-vous sans moi. Contourner. Le cannibalisme me permet de récupérer de l'énergie en cas de besoin. Je vole juste un peu de bien à un allié. Plus ils sont résistants, plus j'obtiens d'énergie. Ça ne fait pas mal. Pas trop. Ah vite, toi, donne-moi ton énergie. Ouais.
tellement vite. Tosh, vous approchez du premier quartier de détention militaire. Libérer les prisonniers pourrait nous faire gagner quelques années. Vite, tu as crevé. Vite, Tosh. C'est good. J'ai un peu fait le con sur ce coup-là, j'ai failli y rester. Je fais ce que je veux. Toi, tu n'as plus d'énergie. Allez, encore un petit peu de soin. Peut-être non. Allez, encore un peu, encore un peu. Bon, allez, vas-y, finis le soin vite fait. Et taille-toi, ça ira. C'est parti. Nos alliés sont attaqués. Trop près, Tosh, c'était trop près. Nos alliés sont attaqués. Hop, nous avons les imprudences. Je le savais déjà. Voilà. Ils vont saigner lentement. Nos alliés sont attaqués. Bouclier, Tosh, vite, et détruis-moi ça. Nos alliés sont attaqués. Oh, c'est passé comme beau travail, prévu. Tosh. Libérer ces prisonniers va bien nous aider. C'est parti. Je fais ce que je veux. Ouais, avancez, sinon ces idiots n'ont jamais avancé si je suis pas là pour les aider. Toi, donne-moi ton énergie. Je peux quand même atteindre le bunker d'ici. Non, c'est encore ça. Où pensez-vous que vous allez, petit? Pas plus près, Tosh. C'est ce qu'on va voir. Ok, c'est ce corbeau qui leur permet de me voir. Bon, comme j'ai pas confiance, on va quand même faire une petite sauvegarde au cas où. Le cas où je me rate, mais normalement ça devrait aller. J'ai dit bouclier, Tosh. Attends, détruis ça, vite! Ah, merde. File. Il y avait aussi un tour dans l'autre côté, ça faisait trop de dégâts. Il va falloir que j'attende un assaut pour avoir de la couverture. Oh, punaise. Si aussi, si mes alliés étaient pas une telle bande de bras cassés, nom de Dieu. Non, t'as pas compris, toi. J'ai fait une sauvegarde aussi. Faut pas charger la dernière sauvegarde automatique, pauvre andouille. Bon. Je maintiens la distance et je vais me faire un peu plus de ma première technique. Et ça devra aller. Bon, c'est quoi la portée? Ouais. Bon. Faut décider que j'attende quelques alliés. Bon, ça va pas le faire. Périssez! Arrêtez de faire chier! Une cœur d'abord, français. Ah, aidez-moi, soignez-moi! Ok, mon cœur est presque détruit. Détruis ce temps, vite!
Vite la tour avant que les lumières arrivent un peu grand monde, c'est good. Merci, je le vois. De l'énergie, c'est ce qu'on va voir. Allez, on va être sur ce foutu corbeau aussi au passage. Peut-être oui. Coche, bouclier, chargé, détruit ce bidule. Le bouclier, retraite immédiate. Oula, c'était chaud. Pas avoir assez d'énergie. C'est bon, bon, allez, je vais m'en mêler, sinon les idées d'alliés vont galérer, j'en suis sûr. Là. Non, vous n'avez pas le droit d'avoir des musiques. Désolé. L'énergie, om nom nom. Le droit d'avoir des tourmenteurs et encore de l'énergie. Non, non. On est dans la place, occupez-les pendant qu'on établit notre avant-poste. Boum, coucou panier, parfait. Vous êtes près du deuxième quartier de détention, Tosh. Vous ne voulez pas vous faire de nouveaux amis? On peut se débrouiller, Tosh. On va les occuper pendant que vous libérez les prisonniers. Si j'ai bonne mémoire, le corbeau ne va... Ouais, c'est ça, il ne va jamais complètement jusqu'au fond. Il suffit de m'y mettre. Et boum, boum, badaboum. Non, bouge toi, je vite. C'est parti. Vite, tu vas te faire repérer. J'y vais sans un bruit. Oh, et puis fuck it. On se fait le char d'assaut. Nos alliés sont attaqués. On se fait les autres maintenant. On va voir. Et voilà. Ah bah tiens, non, il en reste un. Et maintenant, on se fait le corbeau. Et on a fini. Et on a des chars d'assaut en renfort. Youpi! Maintenant que ces gars sont libres, on peut aller défoncer la grande porte. Beau boulot, Tosh. J'ai hâte d'avoir ma technique de fin. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, croyez-moi, vous allez aimer. Peut-être oui. Tosh, on a une bombe nucléaire prête à être lancée. Désigne une cible. Mais évitez de la faire tomber trop près. Et oui, c'est ça la dernière technique. Nucléaire. Allez, une petite, juste pour le LOLOS. C'est parti. Et, attention. LOL. On va voir. Ouais. Je fais ce que je veux. Oula, beaucoup trop de monde là. Les alliés sont attaqués. Attention. LOL fois 2. Attention, LOL x 3 et badabou. Je fais ce que je veux. Ah, j'aime les nukes, y'a pas à dire.
temps sans les nukes, punaise, je crois que ça m'aurait pris un peu beaucoup de temps. Allez, on va balancer la dernière là. Et dommage, il n'y en a plus. Bon. T'es sérieux, l'ennemi a remonté jusqu'à là? Ça y est, on commence par tuer les soigneurs. Je fais ce que je veux. Ils vont saigner l'armée. Ah non, trop près. J'aurais peut-être plutôt aller aider ces idiots à remonter jusqu'à mon côté, sinon je sens que moi tout seul je vais mettre un bout de temps pour détruire tout ce bazar. Vous m'avez mis là-dedans. Sortez-moi de là. Qu'est-ce qu'on va voir? Une flamme. Parfait. Du pouvoir. Périssez, être inférieur. Les chars en plus. Là, ça devrait être bon. C'est parti. Vous voyez que j'ai détruit ça en fait, ou je me rappelle plus maintenant. Ouais, non, je crois qu'il faut à peu près tout péter en fait. Non, ça n'a rien qui fait le difficile ici. Je fais ce que je veux. Peut-être oui. Bon bah ça va peut-être fini tout ça. C'est pas vrai. Et voilà, je crois que c'était le dernier bâtiment en fin de la mission. Good, good, good. Next. Et là, en avant pour une bonne cinématique. Personne n'a réussi à s'échapper de Neo Folsom. Mais on l'a vidé en un après-midi. J'ai du mal à croire que nous avons réussi. Vous avez assuré. Maintenant, avec mes spectres, on va finir le boulot. On va tuer Mengsk. Et réduire son dominion en cendres. Renverser Mengsk n'est qu'un début. Nous devons construire un avenir meilleur. Rendez-vous compte, nous venons de libérer tous les scientifiques et les philosophes qui ont tenu tête à Mengsk. Elle est là, notre véritable victoire. Vous y croyez vraiment? Demain, nous aurons un nouveau Mengsk, et encore un autre après lui. Ce beau rêve de lendemain qui chante, ce n'est qu'une illusion.
Alors si l'avenir est aussi sombre, que faites-vous ici, Tosh? Vous avez quoi à gagner dans tout ça? Pour ça, on est pareil, mon frère. Moi non plus, je peux pas abandonner tant que Mengsk est vivant. Ça n'a rien à voir avec la vengeance. Nous nous battons pour la liberté. Toi, tu les trouveras ces jours meilleurs, Matt. Mais pas les types dans notre genre. Et voilà, c'était sympa, pas vrai? Donc, pour la prochaine vidéo, je sais pas, ou bien je fais la mission suivante, ou bien je fais tout de suite la mission avec Nora. Je verrai. Donc, à très bientôt pour la suite. Ciao!